solidement en échec Poulin. Trappe la rondelle. Au vol, ne parvient pas à la reprendre. Poulin, entrée de territoire un peu hasardeuse, va pousser derrière le filet de Colton Ellis. Tardif, dans l'enclave, c'est bien fait. But, Félix. Félix Robert touche la cible. C'est 1-0. On parlait de la reprise. Solidité sur patin de Poulin. Il s'est fait frapper solidement et par la suite a récupéré le disque pour l'amener de derrière le filet. La passe à Robert qui ne ment pas. Jeu d'enfant pour lui de marquer. Vu qu'il donne les devants au Phoenix. Ouais, il n'y a pas 5. Repli du numéro 32, Jonka. Pense un peu plus loin. On fait circuler. Miskam Chum qui ramène au pareil. Le tir dans le filet. Ça va prendre l'avertissement. But! Troisième ligne. Celui-ci est ça à lancer quand même. Les gardiens de but étaient tout simplement pas prêts à pouvoir se lancer. Dans ce moment, rien n'est vu avec la présence d'un coéquipier de la première dans le filet. Voyez le lancer raté. Mais malgré tout, la rondelle se faufile entre les ambiances. On rappelle tout le monde avant de mettre la rondelle sur la glace. En possession de l'Océanique. Oh. Tir de Martineau, là, ça rate à la gauche de la vaille. En angle, un tir, frappé au vol. Océanique, on profite d'un Une explosion et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver, Robert, parce que ce premier trio-là là, fait flèche de tout droit en première période. À chaque fois qu'ils ont été sur la patinoire, on a joué dans le territoire adverse et ça se résulte en des buts. Ce soir, contrairement à la semaine dernière. Et là, je vais te faire sourire, on arrive aux saisons dans le baseball majeur. Deux rondelles frappées au vol, il y a des joueurs de l'Océanique qui sont prêts. Jeffrey Durocher se lance à la poursuite. Rondelle qui touche un bâton et là c'est un 2 contre 0 face à Colton Ellis en désavantage. Parent de l'autre côté, envoyé à Parent. But, Félix en désavantage numérique de Boyer à Xavier Parent qui touche la cible. On crée l'égalité. Donc l'idée première d'un attaquant, même s'il joue à la pointe à l'avantage numérique, c'est peut-être moins de soutien de ce qui pourrait se passer derrière. Et là, ben, on a complètement oublié deux joueurs qui se sont amenés rapidement et pas les moindres hein, dans l'alignement. Du Phoenix de Sherbrooke. Xavier Parent, voyez à Parent. Et on crée l'égalité 2 à 2. Et Xavier Parent, c'est un nom que vous avez dit de derrière l'action par Jonka qui a quitté son poste de défenseur. Et là, c'est un 2 contre 1. L'Océanique s'amène. Zadiovny, au cercle, la barre sous le vent. De l'autre côté, tout un arrêt de la veille. Ce fameux triangle permis là, pour la récupération de la rondelle par le gardien. La passe vers Kelly. C'est resté emprisonné près du banc. Descendre, passe de l'autre côté. But. Phoenix en désavantage numérique. Robert complète la séquence. Le jeu a débuté, Robin, avec la passe de Martineau vers Kelly. Et la rondelle a touché le juge de ligne. Par la suite, la réplique. Là, on revient rapidement. Phoenix, encore une fois, qui marque un but en désavantage numérique qui va faire probablement très mal à la troupe de Serge Beausoleil. Ouais, avec 13 secondes à faire à la pénalité. La pointe, le défenseur sur la patinoire. On est à 5 contre 4. Paré. Passe du côté de Zadgorovny. Jusqu'à Lafrenière. Apparaît de l'autre côté. Zadgorovny au point. Et puis, oh, c'est but! Les quatre joueurs du Phoenix sur la glace de bien se comporter. Et là, ben, on a eu une belle chance. Un tir de la pointe avec un angle convenable, avec beaucoup de trafic devant le filet. Si je ne me trompe pas, c'est un des premiers lancés de la pointe dans l'avantage numérique qui serait pour le Phoenix avec une 24 à faire à cette période de prolongation. Voyez. Le Sacroudzor qui vient shooter là. Et là, c'est une chance pour Rimouski. Paris s'amène seul avec le gardien à la fin. Et tout un arrêt de la jambière. Sans trop le sas. À deux échappés pendant qu'Alexis Lafrenière revient pour la fin de cette période de prolongation. C'est lui qui a la rondelle. Lafrenière apparaît. Lafrenière à pleine vitesse. On lui remet le 10. Un tir. Ben,
pas soulevé de Paris qui rejoint le numéro 11 qui, avec le scénario idéal, donne la victoire aux siens dans la soirée. Sidney Crosby.